Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Nyonzeli. Nous venons parler là de un sujet qui concerne surtout le monde qui a passé sur frontière. C'est fin causé ça qui est le Title 42. Yon bagay qui a fait discussion depuis longtemps. Yon bagay qui mettait en pile monde dans campé loin puisque sous base de ça nous le Title 42 a yon gen doit en même temps et puis yon veut aller. N'a pas rappelé que pile monde yon te veut aller en bas pont yo, c'est sous base de Title 42 a. Mais dans ça qui passe là, nous connaissons un juge qui fait une décision qui dit que cause ça illégal parce qu'il était fait ce qui base c'est en base protection de coronavirus. Je dis à pas gain coronavirus c'est qu'il pas gain raison d'être li. Administration Biden là, il mandé 5 semaines. Et il avait dit nous parti pour 21 décembre. 21 décembre, il mandé avant pour mettre fin à programme ça. Et après le monde qui l'autre bord frontière, mais le Mexique a dit, est-ce que nous mettons venir? Est-ce que nous avons traversé? Chaque jour, nous avons demandé, est-ce que nous avons traversé? Est-ce que nous mettons venir? Parce que présentement, plus fort nous avons traversé qui sortit Haïti l'autre pays, c'est par l'intermédiaire d'une organisation qui font bail spécial. Donc, nous n'avons pas traversé sous base de tel calendrier à pousser. Donc, son bataille qui commençait longtemps, nous avons rappelé que Biden était pour tête pâle, fermer un dossier ça. Mais plusieurs states à la justice, ils ont dit, ils ont attaqué sous forme. Un juge, je suis venu qui campait. Je crois que c'est depuis le mois de mai, 23 mai, il était supposé camper. Mais fois ça, c'est l'autre bagaille. Fois ça, c'est des groupes de Aklou, justement, qui la justice et ils ont gagné pour ça. C'est-à-dire, c'est un juge qu'on est là qui passait l'autre pour. Qui passait l'autre justement pour camper. Et ça qui passait, Biden a choisi de faire appel, mais il n'a pas de sens puisqu'il a fait fermé l'autre fois. Il n'a pas qu'à faire appel. Donc voilà, et 21 décembre, vous êtes branché, bien entendu. 21 décembre, c'est ta date côté qui causait 4h30 pour le sorti qui vient faire que. Alors là, et officiellement, l'immigration étrangère, vous parlez de gens, mais vous parlez de monde qui parle de débarquer sur. Mais attention, attention, groupe ça a retourné encore. Et groupe de state, nous voulons parler de Arizona, Louisiana, Alabama, Alaska, Kansas, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Texas, on va encore Virginia. Yo vini encore, et regardez bien, face à ça, yo mande. Yo mande juge là, en parlant de juge qui prend décision, et Emmett Sullivan, et pour le permettre yo intervenu dans le soute là. Par contre, si nous comprenons, et j'en bats là. State ça yo, je ne dis pas, yo trouve yo vraiment un problème parce que son lawsuit qui t'a fait, explique-moi bien, c'est Biden, en fait, c'est Aklou qui t'a attaqué l'administration Biden là, et qui m'a dit pour le camper. Il dit, monsieur, dame, ça n'a pas de place là, il n'est pas impliqué dans le lawsuit là, ni de près, ni de loin. Mais monsieur, dame, ça a rendu compte qu'il dit, qu'est-ce que nous mettons là? 21 décembre là, moun pral vide sous nous. Donc, ça a demandé là, il dit, juge là, est-ce que nous avons entré, nous demander pour nous entrer dans la bataille. Ça, ce qui base pour entrer dans la bataille. Je dis parce que tout simplement, et nous, Biden n'a pas fait appel, alors que Biden n'a fait appel. Effectivement, Biden n'a fait, pas obligé de faire appel, et pas avoir parlé. Il dit, oh, nous, Biden n'a pas fait appel, c'est parce que Biden veut abandonner le programme. Non. Donc, nous-mêmes, nous avons entré dans le procès pour nous capables de défendre Title 42 sous base de mérite. Son demande au fait. Maintenant, demande la moun qui n'en cause yo, par exemple, Aklou dit, bon, pas comprendre, demande ça que c'était ça au fait, et yo bien argumenté, il dit, bon, et Title 42 est entré dans le cadre de restrictions, son restriction liée peut-être coronavirus, c'est ça lié, et sous bazar, c'est parce que les moun dans l'autre pays, ils ont infecté, ils n'ont pas de pour venir infecter. Il dit, bon, pendant ce temps, tout c'était ça, yo, n'en cause de restrictions, yo te campé red, les autres dit, vous mettez masque. Les autres disent par exemple limiter qui va les gens qui vont aller dans le cinéma, limiter business. Ils n'ont pas mis state qui te dit qu'ils n'ont pas causé de restriction, ils ont bataille pour pas de restriction. Nous songez bien des states républicains, depuis ils ont fait des policies, des séries de décisions qui promettent des restrictions. Sous mon yo, ils disent pas de bail comme ça, et ils étaient contre restriction. Donc ils disent, nous ne pouvons pas comprendre comment faire toute pile state ça, qui ont même été toujours contre restriction. Dans le cadre de la pandémie, je dis que vous voulez défendre les restrictions pendant qu'il n'y a pas de pandémie encore. Je dis que vous ne pouvez pas comprendre. Logique. logique, justement, et c'était ça qu'on a demandé pour intervenir. Maintenant, c'était argumenté, il dit que l'État intercandé a fini, ça prend le bail au problème, et puisqu'on pile le monde parle de verser dans cette situation, oui, ça a un problème, mais un fait certain, l'article 42, ce n'est pas une loi immigration. Et c'est là qu'il faut comprendre. Ça n'a jamais été une loi au niveau de l'immigration. Il n'y a pas écrit en quel côté dans la loi immigration. C'est une loi exceptionnelle qui prend dans des cas extrêmes, tant que ça nous relève une épidémie, et pour protéger la sécurité du pays dans des cas extrêmes, ils permettent qu'ils expulsent les gens sans pas attendre. C'était ça. Et pas gagner en quelle condition qui réunit journée jeudi pour continuer à renforcer politique ça et c'est là et si vous voulez tout bon vrai faire une réforme dans l'immigration qui vous fait c'est là pour comprendre le problème frontière a toujours été intact faut que résoudre l'in en parlement faut que résoudre l'in en parlement dans concerne les réformes de l'immigration c'est celle gens pour le résoudre et pour qui dit réforme de l'immigration, Olivier dit tout, il faut faire des compromis. Il faut faire des compromis parce qu'on ne peut pas faire réforme ou aller dans le sens sport simplement. Réforme, l'on veut dire, il faut tenir compte de l'autre camp et tout. Donc, c'est ça qui fait motion, côté que, et yo même, yo t'a demandé pour intervenir là, mais ça t'a dit qui ça? Bagage ça finalement, il se retrouve dans Boutli. Et à partir du 21 décembre, bien entendu, ou même qui, l'autre bord frontière, rebranché, livre dit que en pile mon apka présenté sous frontière et que normalement, leur remettre tout, il n'y a pas de pousser d'eau. Vous comprenez? Il y a nécessairement obligé qu'un béo. Et c'est là tout, là, on a parlé de réforme. Là, aucun, mais plusieurs milliers de personnes, pour, à la vérité, pour le faire bien, il faut gagner assez juges. Faut gagner assez juges. Toutes ça, c'est réforme. Il dit, sauf façon, vous dites que le système d'immigration n'est pas possible, il y a un problème qui mérite de changer. Et ce n'est pas dans la bataille judiciaire qu'on veut monter, il faut que le Parlement, à un moment ou à un autre, doit agir et ça doit se faire sous base de compromis. En tout cas, c'est ça qui réalise. Et c'est ça tout que les démocrates ont dit, surtout pendant un petit bout de temps, ça, pendant l'hymne d'obstruction, ils disent, monsieur, si vous avez des choses qu'on fait ensemble, on fait pour le moment. En tout cas, les situations et rendez-vous pour tout le monde. Et qui l'autre bonne frontière, capitaine, les rendez-vous, c'est 21 décembre. OK, 21 décembre, nous voyons qu'on est. Si finalement, à l'autre côté, la justice a bloqué, là, encore, non? Bah qui vient pour bloquer non alors là ou même que l'autre bord frontière Mexique qui autre ou même cap venir tout donc rendez-vous à ce 21 décembre OK guys.